La finale de la Coupe Davis, il fallait y croire, ils n'ont pas baissé les bras. Fabrice Santoro, Nicolas Escudé, lors d'un match étourdissant, ont repris l'avantage au quatrième set et remporté le double contre l'équipe russe. Portée par l'enthousiasme des supporters, les tricolores ont réalisé une formidable performance. La France désormais mène 2-1. La Coupe Davis est à portée de main. Nathanaël de Ringsin, Alain Poirier. Allez voir sans la serre ainsi, on pourrait penser qu'ils viennent de remporter la Coupe Davis. Ne vous fiez pas aux apparences. Le précieux trophée n'est pas encore dans l'escarcelle des Bleus. Mais grâce à ces deux lascars, les Français sont sur de bons rails. Cet après-midi, dans un Bercy plein à craquer, Santoro et Escudé ont pris le meilleur départ. Le premier set est rageusement remporté, 6-3. Les Français jouent bien, mais les Russes jouent de mieux en mieux. Ils obligent leur adversaire à reculer et à défendre. Rapidement, le match tourne à l'avantage de Safin et Kafelnikov, qui empochent le deuxième et le troisième set. Ils ont réussi à élever leur niveau de jeu bien plus haut qu'on l'imaginait. Et à ce moment-là, il a fallu qu'avec Nico, on se serre les coudes et qu'on joue à notre meilleur niveau pour pouvoir les battre. Dans la quatrième manche, l'empoignat tient toutes ses promesses. Les Français menés au score se battent sur toutes les balles. C'est désormais un mur qui se dresse devant les Russes. Santoro exulte, le public se lève, la partie bascule. J'ai essayé de les solliciter un maximum aujourd'hui pour vraiment qu'ils fassent du bruit, que ce soit d'une part pour déranger les Russes ou ne serait-ce pour que moi ça me serve, et ils ont été formidables. À 2-7 partout, les Russes ne savent plus où donner de la tête. Santoro distille ses coups de génie. La cinquième manche tourne rapidement à l'avantage des Français qui s'imposent après 3h44 d'un combat acharné. La France mène 2-1. Après cette belle victoire dont on n'a pas fini de parler. Escudé a été merveilleux et Santoro a retrouvé tout son brio à la fin. Donc c'est une grande joie, puis ça laisse une chance plus grande pour demain. Quoi. Depuis 1978, l'équipe vainqueur du double remporte systématiquement le trophée. Demain, la bande a forgé à deux rencontres pour ne pas faire mentir les statistiques.